Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de contrée, donc c'est écrit coinche mais c'est de la contrée. J'ai changé de plateforme aujourd'hui parce que j'ai perdu tous mes coins hier à la coinche. Donc je me retrouve sur cette plateforme. Donc j'aime bien aussi jouer sur celle-ci. C'est juste que en fait ça prend un petit peu plus de temps, il faut compter bien 15 minutes devant soi pour... Ah, excusez-moi, ça bug. Mon téléphone fait des siennes, donc désolé, il n'y a plus d'image. Je réenregistre vite pour pas louper la partie. Hop. Oui, s'il te plaît, peux-tu enregistrer? Ok. Désolée, j'ai un gros bug. Oh, et j'ai un beau jeu à pic, donc je vais parler. Donc là, il me manque concrètement 35 points, donc on va aller jusqu'à 120, on compte un petit peu large. Alors comment je compte qu'il me manque 35 points? C'est qu'à carreau, j'ai pas l'as, pas le 10, et que j'ai qu'un 7. Et à trèfle, il me manque le 10. Donc en gros, il me manque 35 points. Ah, et lui, il parle à 130 cœurs, d'accord. Marie-Christine... Donc, bon, là, je n'y ai pas fait d'appel. Donc, 3 à toute sortie, 5. Il en reste 3. Alors, je ne sais pas si elle a les trois derniers. Je crois pas. On va voir ça tout de suite. Ok. Elle a les trois derniers. Donc, c'est bon, on le fait. Du coup, là, j'ai pour l'enregistrement, j'ai mis la musique officielle, on va dire, de la plateforme, avec les petits bruitages et tout, pour voir un petit peu si c'est sympa ou si je retourne à ce que je faisais avant, c'est-à-dire je coupe le son et puis je rajoute ensuite au montage. Donc là, je tente la technique des trois atouts sans le valet, que je n'ai encore jamais essayé, mais comme j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Bon bah je surenchéris, donc ça veut dire que normalement si on parle de la même façon, elle a aussi le valet. 10, non, il me manque à peu près 40 points, donc je vais augmenter parce que j'ai un as et un 10 de cœur. Qui va faire couper. Oui. Donc normalement, Marie-Christine va couper puisqu'elle a envoyé son roi. Là, elle a pris avec le valet. Ça veut dire qu'elle n'avait qu'un valet. Donc un as toute sortie. Ok. 1, 2, 3. Ok, donc je vais tenter de faire couper. Non, ça coupe pas. Je ne suis pas sûre qu'on fasse les 110. Ok, coupe. Donc c'est bon. De peu, mais on les fait. Donc on est à la moitié du jeu, hein, 510 à 60, il faut faire 1000 points pour gagner la partie. Là, donc, je parle à carreau, donc j'ai une longue à pic, donc je peux faire couper.
Je me tâte. Allez, je surenchéris. Alors, 130 trèfles, il y a possibilité qu'on les mette dedans, mais pas sûr, parce que moi, enfin, perso, j'ai pas d'as, même si j'ai des 10. Mais c'est pas sûr, lui, et à tout moment, il me fait sortir mon 9, non, ça va. Donc, 4 à toute sortie, il va sûrement faire un autre tour, ouais. 5, 6, 7. Donc pour les mettre dedans, il faut faire 33 points. 8. C'est pas passé. J'ai pas compté les piques. Je sais pas s'il y en a encore en jeu. Ok. Eh bien, on les met dedans. Je renvoie mon 10 de pique parce que de mémoire, Marie-Christine n'en avait pas. Okay. Donc on les met dedans, bien comme il faut. Et on est à 800 à 60, donc normalement c'est la dernière manche. Si on prend la main ou si on les met dedans. Ouais, finalement cette partie, elle va être courte. Du coup, cette partie me fait mentir. Eh bien, j'ai un beau jeu à pique, donc je vais parler à 100. 2, 4, 5, 50. À 100 piques. Parce qu'il me manque environ un petit peu plus de 50 points, donc voilà, je compte toujours un petit peu large. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, il me manque le 10 à sortir pour faire sortir tous les atouts. Marie-Christine m'envoie du trèfle. Donc, pour nous mettre dedans, il faudrait qu'il fasse 63 points. Donc, lui, il va peut-être me faire couper à cœur. J'ai des doutes sur la réalisation du contrat. Ah, non, ça va. Ok, eh bien, on le fait. Et donc, normalement, c'est la dernière manche. Voilà, ça sera une partie gagnante pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Ciao, ciao!